dans le rythme défensif, on n'avait pas de rythme défensivement et en attaque on n'a pas joué comme on a pu jouer hier. Donc voilà, c'est le problème. Si on commence à jouer comme ça, on a du mal à jouer. Donc on le voit ce soir, on est tombé contre une équipe qui était vraiment bien en place et elles nous ont posé des problèmes sur un peu les changements de défense, mais on a été bêtes aussi. Donc il faut qu'on arrive à, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il faut qu'on arrive à s'adapter plus facilement et à continuer à jouer notre jeu, à continuer à se passer la balle, c'est comme ça qu'on joue le mieux, donc il faut qu'on arrive à continuer à faire ça. Beaucoup de déceptions forcément, mais avec du recul, ils ont mérité leur victoire, ils ont très bien joué, ils nous ont dominé partout, tous les aspects du jeu. Nous, forcément, pour la mi-temps, on a quelques regrets, mais au final, félicitations à Monaco. Voilà, ils étaient meilleurs que nous ce soir, il n'y a rien à dire. Ben, on a été surpris peut-être par leur... Ils étaient très bien en place, ils ont très bien défendu, ils étaient organisés, très bien préparés, en très peu de temps, donc franchement, félicitations à eux. Après, ça peut arriver, il y a peut-être un peu de fatigue, deux matchs en deux jours, c'est jamais simple, mais bon, c'est pas une excuse, ils étaient dans le même cas de figure. Donc félicitations à eux, il n'y a rien à dire, félicitations. Ils étaient très bien en place, défensivement, offensivement, ils ont déroulé un très très bon basket. Donc on a pris une correction, donc c'est à nous à rebondir le plus vite possible parce que voilà, c'est fini pour nous à Leaders Cup. Maintenant, l'Euro Cup, c'est un objectif du club également, donc c'est à nous à faire ce qu'on a à faire. Justement, cette défaite, ça vous titille un peu pour l'Euro Cup? Il faut tourner la page, c'est une compétition totalement différente. On a pu faire quand même deux matchs de haut niveau, donc il va falloir s'en servir pour le match de mercredi parce que ça va être un match de haut niveau. Oldenburg est une très bonne équipe, donc il va falloir être prêt pour un très beau match de basket et il va falloir se battre, c'est sûr.